Bah, monsieur, c'est carton rouge ça, il est fou, il est complètement possédé. Oh là là, il est défaut. Oh, ouais, je l'ai en coulax lui. Je l'ai blanc. Oh non. Pas comme ça, Zinedine. Pas fait exprès. Bonjour les cafardinos, les cafardinias, plein d'amour et de bisous pour vous. Salut YouTube, je vous adore. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ceux qui kiffent les concepts et tout ça, l'évolution de la chaîne, du personnage, de l'encadrement, du professionnalisme. Lisme. Oui monsieur. Bientôt les 100 000 abonnés, bordel de merde. Et on adore ça, monsieur. Voilà, bientôt les 100 000. Aujourd'hui, le Just Skin, encore une fois, que nous réserve cette émission? Du plaisir, voilà, du plaisir, de l'amour, du CSGO, du skin, du CSGO skin. Voilà, je pense qu'on va renommer l'émission Just Skin en CSGO skin. Ça va être incroyable. Je suis souvent utilisé par Amanek. Mon skin appartient à la famille du lion et du tigre. Qui suis-je? Cavardino. Ouais. Pépé Bison. Non, monsieur. Ah non. Faut donner un skin. Ah oui, un skin. Pardon. Non, c'est pas grave. Allez. vous avez... Franchement, il est facile celui-là. Le chat, vous l'avez normalement. Mais il y a moyen, et il y a moyen que vous trouviez des des trucs en plus. Oui, il y en a un qui a dit Cavardino encore. Cavardino, ouais, c'est ouais. Biote. C'est le McTen Fauve. Oui monsieur, c'est le McTen Fauve. Quel est le nom de cette position? Pas là où il regarde, pas sur sa droite, pas sur sa gauche. Là où il a posé son cul. Oui. Apex. Faux. Oh, je suis content parce que toi t'étais plein de bonne volonté frère avec ton Cavardino, mais c'est faux. Faux. Après. Les gars, s'il vous plaît, faut que je vous donne un indice déjà. Ok, je vais donner un indice. Je suis... Vas-y. Headshot angle. Non, je peux pas l'accepter. Les gens disent headshot, mais la position, elle a un nom précis, tu vois. Je suis la plus grosse vermine qui a jamais cheaté sur CSGO. Cavardino. Oui. Floucha. Attends, j'attends les réactions du chat. Non, j'attends les réactions du chat. Le chat, s'il vous plaît, répondez. Non, je vous libère, le chat. Non, c'est pas vous, c'est vous. Le chat, s'il vous plaît. Et monsieur, mais monsieur Flucha ne cheat pas, monsieur. Oui, bah oui. Flucha ne cheat pas, monsieur. Allez, je vous laisse redeviner la réponse. Cafardino. Ouais. Cali. Oui, monsieur. Cali. Ah, oui. Ici, c'est Cali. Ici, c'est Cali. Parce qu'en fait, il sortait ici à la WAP. Et il gardait la ligne au spawn il y a longtemps. Et donc, les gens disent Cali. Après maintenant, c'est plus trop utilisé parce que les gens disent tous headshot. Mais c'est Cali, frère. Qui a fait cette action? Vous attendez bien évidemment de la regarder. Chatony Emote, merci beaucoup. Très connu. Le chat, vous l'avez, je le sais. Très connu. Vous avez la réponse? Ça me dit rien pour moi. Oh là là, je suis triste. Oh, je suis triste. Oui ? Nico ? Non. Je suis français. Shox. Comment tu as eu la réponse ? Pourquoi tu donnes cette réponse ? Honnêtement, le hasard. Très okay. Honnêtement. Le hasard, ok, bon. Et regardez-moi cette action avec les commentaires. Incroyable. That's gonna be the ace in the round. À quoi fait référence cette affiche? Ah non, je suis déçu. Non, monsieur. Donc là, on a des mains, Cavardino. On a des mains qui tiennent quelque chose. Oui. Cavardino, c'est pas c'est le pit Dozier quand il a voulu save. Quand il a voulu save. Dozier quand il a haché. Contre qui? Le pit sur Inferno. Il était dans quelle équipe? Où ça s'est passé? Il était chez Gambit. OK, ça s'est passé où? À quelle compétition? T'es en major, mais... Major où? Gambit, ils en ont pas fait 50 des majors. Bah j'ai vu l'action sur internet quoi.
Ah, donc t'as pas suivi le Major Krakow. Non, non, je jouais pas encore beaucoup. Tiens. T'es de la page. Oh, ouais, bah, c'est Krakow, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Je vous en supplie, les gars. Ne me dites pas que ça vous procure pas des émotions d'entendre la foule comme ça. Écoutez ça, bordel. Mettez le son au max, là, à la maison. Gambit has sent even more firepower there. Bring more HP. This is so smart. Oh, this is huge. Doji's throwing a nade into the corner just as the bomb's gonna go off. They're both gonna go down. Get brained on. Doja with the dunk. That's so smart. Incroyable, incroyable. Bon, faut savoir que ça a été vraiment popularisé par Dozia, ce move. Mais il y avait déjà avant des joueurs pros qui avaient fait ça, notamment Getright, etc. C'est juste que là, vu qu'il l'a fait en major devant une audience folle de plus de millions de spectateurs, bah, les gens lui ont accordé à lui. Et c'est devenu le move de Dozia, quoi. Il y a 2 à 1, les amis. 2 à 1. Quelle est la dernière équipe de Somme? C'est qui lui? Amici, attends, merci pour le don, monsieur. Je m'incline. Quelle est la dernière équipe de Somme? Bah du coup, c'est bon. Je peux répondre? Je t'explique un truc. Okay. T'as dit que tu savais même pas qui c'était. Si tu réponds à la question, c'est quelqu'un t'a soufflé les réponses en scred. Donc vas-y, dis-moi. Non. Non, là c'est vraiment n'importe quoi. Je sais que c'est un peu raciste, mais je vais dire Genji avec son pote automatique, etc. Oh l'enfoiré. What? Quoi? Pourquoi raciste? Alors je comprends Il y a, c'est la seule team asiatique que je connais, quoi, donc, avec Taïlou. La seule team asiatique? Mais Automatique et Somme sont américains, frérot. Mais oui. Ouais, mais... Ouais. Ouais, ils sont américains, Monsieur, c'est carton rouge, ça. Il est fou, il est complètement possédé. Le chat, non, le chat, je vous libère. Des sanctions doivent être prises. Les sanctions doivent être prises. Ouais, mais j'ai pas d'idée, je connais pas les équipes. Eh gros, on lui a rien demandé, il a dit, c'est que c'est un peu raciste, mais il est avec son pote automatique. Quoi? Non, mais... Et ouais. Moi maintenant, inspecteur Derrick. J'ai plus rien à perdre. Inspecteur Colombo, est-ce que selon vous, il a triché pour avoir la réponse? Dès qu'il a vu le mec, il a dit what the fuck, je sais pas qui c'est. Et là, il me sort Genji, gros. Eh, je donne des teams asiatiques. Parce que oui, c'était. Mais c'est pas des asiatiques, c'est des américains, frère. Wow, mais regarde-le, frère, c'est un américain, ça. Ça, par contre, c'est raciste. Mais gros, c'est un américain, frère, mais t'es un malade. C'est une blague. Il est fou. Il triche 100%. Je te donne pas le point. Je triche pas. La vie de ma mère que j'ai pas triché. Je te donne pas. Laisse ta mère en dehors de ça. Tu triches. J'ai de la chance. Il est fou, frère. Contre quelle équipe Kodzera a réalisé son action légendaire? Kefardinho? Ouais. Oh non, attends. T'as 10 secondes. Liquid. C'est ça? Non. Oui, c'est ça. Here he comes once again. Oh, the first base is a trend. He's gonna hit the ground there. Ouais. Jumping double for Cole. What is there going on right now? How does he do this? Cole has saved Luminosity with the old play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge play, but that was something I'm never gonna. What the fuck, par contre? Est-ce qu'on se la replay là pour de l'orgasme oculaire? Est-ce qu'on l'a replay, les gars? Est-ce qu'on l'a replay? Je sais pas si vous réalisez. Je crois qu'il y a des gens, ils découvrent CSGO. Ça s'est passé en 2016, ça, les gars. 2016. Donc, je sais pas s'il y a des nouveaux joueurs et tout qui découvrent cette action. Je vais vous expliquer. On va vous remettre un peu du contexte, les gars. Luminosity Gaming. 2015, même peut-être. Non, 2015-2016, ça. Luminosity Gaming, qui sont les anciens SK Gaming, qui sont les anciens MIBR. Donc, Fallen, Coldzera, FNX, Fer, des monstres. Ah, des monstres. Ils jouent contre Team Liquid avec Simple. Ils sont en train de se faire casser le cul 15 à 9. Coldzera est tout seul en B. Regardez le radar en haut là. Regardez le radar. Il est tout seul en B. Tout seul. Il y a un mec en A, deux connecteurs et un au niveau du P2. Il est au niveau du P2. Donc il est tout seul B. Il y a un 5 contre 1 en B. 5 contre 1 en B. S'il perd ce round, 16-9, le Major est. Enfin, il y a 1-0 pour Luminosity. Ça, c'est la première carte. Ça, c'est le comeback. Hein.
Il fait le premier kill. Là, il vient de mettre une brochette en sautant. Là, il met le quatrième. Ah, c'est du... Ah, si vous réalisez, quoi. Ouais, moi aussi. Abusé, hein. Incroyable. Il aura fait une partouze. On peut appeler ça une partouze. Effectivement, on peut appeler ça une partouze. Merci d'avoir suivi le Just Skin. On va voir maintenant qui c'est qui a remporté cette émission. C'est Istaz. C'est Istaz qui a remporté ça 6-5. Merci YouTube d'avoir suivi cette émission tous les mercredis sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à venir la follow. Et surtout, abonnez-vous ceux qui ne le sont pas sur la chaîne. On approche des 100 000 et on compte sur vous.